Salutations mes chatons, c'est Chicouette. Et ouais, on se retrouve enfin pour le colis hein, que j'ai été chercher ce matin. Donc on est le mercredi 14 juin. Et ouais. Donc j'ai décidé de faire du suspense pour ceux qui n'ont pas été voir cette édition limitée. Alors, j'ai pris l'édition limitée Ritual of Karma chez Goodiebox. Mais je vous fais une autre édition limitée de Goodiebox avant. Bah ouais, je suis joueuse. Ouais. Donc, elle s'appelle. C'est la Summer Edition d'ailleurs. Et elle s'appelle The Lucky One, donc tu sais pas ce qu'il y a dedans. Parce que j'ai été sur le site juste avant de faire la vidéo et que j'ai regardé, j'ai tapé sur le truc pour voir si. Déjà, je trouvais ça bizarre, il n'y avait pas de QR code. Enfin, c'est normal, vu que tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà. Hein, donc vous connaissez les box, goodie box, hein, voilà. Là, un set ouvert. Bye, parce que Lucky, la chance, c'est trèfle, on va dire trèfle à quatre feuilles vert, quoi. Généralement c'est ça. Enfin, voilà, pour moi, c'est respecté au terme de la couleur. Encore une box à voilà. Collectionner. Alors, donc du coup. Comme tu sais pas ce qu'il y a dedans, parce que du coup j'ai enfin, j'ai vu vite fait parce que je cherchais la carte et puis il n'y avait pas la carte. Donc déjà je vais commencer par ceci. Donc c'est un chouchou. Alors oui, c'est vrai que je ne connais pas le prix, hein, bien sûr. Merde, ah oui, j'ai oublié de préciser quand même. Elle est en rupture de stock là, cette merde, je vais y arriver. Cette édition limitée, je retourne en arrière du coup. Et normalement, ah j'ai mal. Elle était à 29,95 € du coup. Ils ont dit une valeur de 190 €. Ok, d'accord. Voilà. Hein. Ensuite, du coup, donc je commence par ça. Un chouchou que j'ai déjà eu dans la goodie box en plus. Que j'utilise en ce moment d'ailleurs. Donc, voilà. Hein. Soit en concours, soit. En plus, oui, c'est le même coloris quoi. Soit en concours. C'est pété? Ah non, ça va. Je crois que c'était pété. Soit en concours, soit peut-être dans ma famille. Mais voilà quoi. Ok. Alors. Ah, ça. On l'a eu dans la première gox. Gox. Première box de l'ouverture, hein, la Welcome Box. Du coup, la marque Karma Medjool. Et oui, c'est le 3 en 1 là. En gros, c'est une eau micellaire qui fait quoi? Qui enlève le maquillage, qui est. Ah oui, qui nettoie, qui tonifie, qui hydrate. Voilà. Pour les yeux, pour les lèvres et pour le visage. Voilà. J'avais déjà testé. Et il me semble. Enfin, il me semble que je sais pas si j'avais aimé ou pas. Donc, je sais pas ce que je vais en faire de ça. Voilà. Hein. Et normalement, je crois que j'ai pas de doublon. Donc là, on commence. Enfin, on commence. On continue. Ça fait le troisième produit, c'est la marque Glove. Et du coup, c'est des cotons réutilisables pour se démaquiller. Oui, c'est ça. Hein? Voilà. Et du coup, là.
colle. Ah, ça va. J'ai cru que c'était ceux que j'ai en rouge là, mais non. De toute façon, c'est pas ce packaging là. Oh, c'est tout. Ça a l'air tout droit. Regardez-moi ça. On dirait des. On dirait de la barbe à papa. Franchement. Hop là. Voilà. Ensuite, du coup, on a la marque Beaver. Donc, je me rappelle cette marque-là, on l'avait reçue une fois chez Blissim. Et c'était un truc de cheveux, je crois. Donc voilà. Et là, nous avons du coup un shampoing. Voilà, un shampoing. Oula. Au pH 5,5 et 6,5. Ok. C'est pas précis ça. Bah oui, du coup, j'ai pas les descriptions. Donc, vu que c'est en anglais, c'est un 60 ml. Beaver professionnel. De toute façon, c'est une marque professionnelle en plus. Donc voilà. On va voir comment il sent lui. Ah la vache, ça sent bon. Ça sent bon. Ok. Ensuite, bon, ça. Ça, je vais pas garder. C'est du, parce que j'utilise pas ça. C'est du coup de la marque Moshi Moshi Mind. Et du coup, c'est une éponge konjac. Donc je suppose que c'est en forme de bouboule. Voilà. Je sais pas ce que j'utilise spécialement. Donc voilà. Ensuite, nous avons la marque e-cooking du coup. Et du coup, oh là là. C'est un sérum à la vitamine C. bah oui, l'acide hyaluronique. Voilà. Et c'est un 20 ml. Oh, c'est presque un full size ça. La vitamine C. On verra bien. Ensuite, nous avons la marque Terre de Mars. Et du coup, c'est un contour des yeux. Ça va, je l'ai perçu. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, nous avons la marque De Cure. Perfecte base. C'est une. Oh, bah, c'est une base. Voilà. Ensuite, la marque Séraphine Botanicals. Je connais pas. Hashtag plastique. Donc, c'est un exfoliant hydratant pour les lèvres au citron. Ah. Oh, c'est mignon. Ça fait, je pensais que c'était le produit en lui-même, mais en fait, non. C'est... Tadam. Oh, c'est mignon dans sa petite boîte. Oh putain, on dirait que t'as envie de le manger. Je sais plus dans quel sens, allez. Je pense que c'est comme ça quand même. Bon. Voilà. C'est ça. Hashtag opercule. Putain. Allez. Ah, je me fais mal en plus. Ouais, parce que je me suis coupée en ouvrant les box tout à l'heure. Ah putain. Je me suis coupée. C'est bien. Bien comme il faut, quoi. Oh, la vache, oui. Ah oui, ça sent le. Oh, ça sent le citron médicamenteux. Oh, je déteste ça. Super.
Ça m'a l'air bien jaune, hein. Oui, ça m'a l'air bien jaune. En tout cas. Sympathique, après j'ai peur. Mais bon. J'espère que le goût va pas rester trop longtemps non plus. Voilà. C'est trop mignon dans cette petite boîte. Et le meilleur pour la fin, je m'attendais pas à ça. Enfin, j'allais dire, c'est pas un produit. C'est un échantillon de parfum de la marque Shiseido. Alors, depuis le temps que j'en entends parler de cette marque, hein, donc là, c'est le Ginza Tokyo. Ça m'a l'air fleuri. Déjà, je pense que c'est le... Comment on dit ça, là, la campagne? Voilà. Et comme ça, du coup. Oui, Emel. Oh, il est tout rose. Il est tout rose. Oh, ah oui, c'est... Oui, oui. Ah, c'est très fleuri. C'est fleuri, mais pas la rose. Pourtant, je pense qu'il y en a en plus. Non, c'est pas une rose. C'est... J'en sais que dalle. Et en plus, il n'y a pas de... Tout, bah non. Bah alors là... Je sais pas. Oh, en tout cas, ça sent bon. Et voilà, l'unboxing est terminé. Donc, on a quand même. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 produits, c'est pas mal pour une édition limitée, j'ai envie de dire. Et puis, si je suis logique, 1, 2, 3. Peut-être pas ça. Putain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, allez, on va dire 7 sur 10 full size, quoi. Bon, comme c'est, tu sais pas ce qu'il y a, c'est pas, c'est, pour ceux qui ont pas la box, voilà, ils s'en foutent. Ça, c'est quand même, pour moi, c'est deux doublons, hein, mais voilà. Mais c'est pas grave, le chouchou je le donne, peu importe à qui, soit à vous, soit à la famille. Et c'est pareil pour le micellaire. Voilà. Et donc, bah dites-moi ce que vous en pensez. Hein? Bah oui, quand même. Ça sert plus à rien ça, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis du coup, après... On se retrouve pour l'édition de l'étoile. Bah oui. Petit like, petit commentaire, petit abonnement si le cœur vous en dit. Et moi, je vous embrasse. Je vous aime. Ma gombure. Côté box. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour, hein, pour les box. Donc, voilà. Et tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Pour moi, oui. Pour vous, c'est plus tard, du coup, le temps de faire les montages et tout ça. Voilà, des bisous, merci.